Lévitique chapitre 27. Règlement sous offrande. Seigneur a parlé avec Moïse, lui dit comme ça. Parlez avec mon peuple Israël yo. Ou a dit yo pour moi. Le yon moun prend engagement pour l'offrir yon moun bay Seigneur, c'est nous-mêmes qui pour fixer quantité l'argent pour yo bay dans place moun là. D'après système yo servi dans temple là. Mais qui j'en a fait ça? Pour yon garçon qui gen entre 20 ans à 60 ans, c'est va 50 pièces argent. Pour yon femme même l'âge là, c'est va 30 pièces argent. Pour yon jeune garçon qui gen entre 5 ans à 20 ans, c'est va 20 pièces argent. Pour yon jeune fille qui gen même l'âge là, c'est va 10 pièces argent. Pour yon petit moun qui gen entre yon mois à 5 ans, si c'est yon garçon, c'est va 5 pièces argent. Pour yon ti fi même l'âge là, c'est va 3 pièces argent. Pour yon garçon qui dépasse 60 ans, c'est va 15 pièces argent. Pour yon femme même l'âge là, c'est va 10 pièces argent. Mais si moun ki te prend engagement pa gen compte l'argent pour le payer valè nou mande a, la mené moun li te promet bay la, bay prêt la. Prêt la va fè yon lot prix d'après sa moun lan ka paye. Si c'est yon bet, yon moun pran engagement pou l'offri bay Seigneur, n'importe qui sa la bay Seigneur va rete a pa net pou Seigneur. Li pap ka change yon mauvais pou yon bon. Li pap ka bay yon lot bet nan plas sa li te promet la. Si li fè sa, tout de bet yo, ni sa li te di la bay anvan, ni sa li te vle bay nan plas li ya, va rete a pa pou Seigneur. Mais si bet li te pran engagement offri a, c'est yon bet ki pa ka fè vi offrande pou Seigneur, la mene bet la bay prête la, prête la va faire prix bête là d'après Jean Loué bête là. Là la fin fait prix bête là, prix il mandé a fait ça y a payer pour lui. Mais si moun qui te fait offrande là, t'a voulu acheter bête là encore, la payer prix prête là t'est fixé à plus 20% la valeur. Là yon moun a mettre kayli a pas pour Seigneur. Prête la va faire prix kayla d'après Jean Loué kayla. Là la fin fait prix a, prix il mandé a c'est ça pour yo bay. Mais si moun k ap mete kayla a pa pou seyen a ta vle acheter kayla encore, la paye pri prèt la te fixe a plus 20% la vale. Et puis y a remet li kayli. Si yon moun pran yon potion nan jardin et puis li metel a pa pou seyen a, ou a fè pri potion te a d'après quantité grain yo ka fime la dan. Pour chaque barik grain loj yo ka fime, la bay 10 pièces argent. Si li fè ofran lan après yo fin fin fete l'année réjouissance lan, c'est pour le payer tout prix à net. Mais si li fait quelque temps après au fin fêter l'année réjouissance là, prête la va calculer prix à sous quantité l'année qui était avant yo fêter l'année réjouissance qui va venir. Comme ça, la descente premier prix li te bay là. Si moun ki mette portion terre a pas pour Seigneur a ta vle acheter terre encore, la payer prix te bay pour terre plus 20%. Et puis terre va arrêter pour lui. Mais si yo te gen tan van te a bay yon lot moun anvan li menm li te mande achete lanko, li pap ka achete lanko. Yon te kon sa, le lan de rejouissans lan va arrive, passe yon remet li nan men premier met li, la prete yon bagay a pap ou seye a. Yon jardin person pap ka manye, la rete pou prete yo. Si yon moun pran yon jardin li menm li te achete, yon jardin ki pa jardin héritier epi li mette la pap ou seye a, prete la va kalkile pri jardin yon sou kantite lanne, qui rete avant yo fete l'année réjouissance k'ap vini. Et puis moun lan va payer l'argent même joie. L'argent sa va rete a pa net pour Seigneur. Le l'année réjouissance lan va arriver. Jardin va tourner pour premier met là ou sinon pour petit premier met là. Y a fait tout prio d'après système l'argent yo servi nan côté yo mete a pa pour bon Dieu. Yon gros pièce pour 20 pièces. Personne pap ka pran engagement pou yo ofri Seigneur a premier petit mal yon bête fait parce que li déjà pou Seigneur. Kit se premier petit bœuf, kit se premier petit mouton ou sinon cabrit, c'est pou Seigneur yo ye. Mais si se premier petit yon bête ki pa ka servi ofrande pou Seigneur, y a ka acheter l'encore nan men Seigneur pou pri na fixe a plus 20% la valeur. Mais si moun lan pa vle acheter l'encore pou tèt li, y a vann yon lot moun li pou pri na fixe ya. Tout sa yon moun mette a pa net pou seye ya,
kit se yon moun, kit se yon bet, kit se yon jade, li pa ka van li, ni li pa ka reachtil. Bagay la fèt pou rete la, a pa net pou seye ya. Person pap ka manyel. Si se yon moun yo vle ki pou rete a pa net pou seye ya, yo pap ka reachtil. Se touye pou yo touye moun sa. Na mette 10% nan tout rekod jaden nou a pa pou seye ya. Li te met rekod jaden nou fè nou mèm, ou sinon rekod pye boa ki donè nan jaden nou. Se pou seye ya 10% sa yo ye. Si yon moun vle achete pou li mèm ki choy nan 10% ki pou seye ya, la peye pri bagay la plis 20% la vale. Sou chak 10 bet, li te met bef, kabrit ou sinon mouton, nap gade, gen yon ki pou seye ya. Sa vle di, le nap konte bef nou yo, na konte yo pa 10. Kon sa, chak fwa nou rive sou 10e lan, na metel a pa pou seye ya. Nou pa bezran konen si li bon, si li pa bon. Ni nou pa bezran pran yon lot mette nan plas li. Si nou vle chanje yon bet, ni sa nou ta vle chanje ya, ni sa nou ta reme bay nan plas li ya, tout deva pou seye ya. Epi tout nou pap ka reachte yo anko. Men tout reglement seye ya te bay Moïse pou moun pep Israel yo sou moun Sinaï ya. Amen. C'était Lévitique chapitre 27. C'est là nous finis avec livre Lévitique là. Que bon Dieu bénisse nous.